Cette semaine, une trentaine de startups d'ex-Marseille French Tech étaient à Las Vegas pour le Consumer Electronics Show, le salon mondial de l'innovation, à la clé des milliers d'échanges, presque à en perdre la voix. Beaucoup de très bons contacts, des contacts sur des groupes de très bonne qualité et aussi des contacts très qualifiés de direction générale ou des SI. Donc nos startups sont ravies, on va faire en sorte que tout ça se transforme, mais on a un premier bilan qui s'annonce très très positif. On multiplie les contacts, les rencontres, c'est vraiment riche à tel point que du coup on a d'autres idées pour pouvoir améliorer la ruche Cocoon. On a rencontré plein de gens, c'est une belle opportunité. Je pense qu'on a beaucoup plu, on a eu vraiment un gros intérêt. Le carnet de cartes de visite s'est rempli. On a été extrêmement impressionnés par le retour. On a plus de 1000 contacts en 3 jours et c'est pas fini, il en reste encore 2. On a des contacts aussi bien en investisseurs qu'en clients potentiels. On a trouvé l'entreprise qu'il nous fallait pour co-développer un produit qu'on n'arrivait pas à faire. Et puis pour l'anecdote, ça nous a donné le petit coup de pouce supplémentaire pour terminer une levée d'un demi-million de dollars qu'on était en train de faire et qui s'est fait hier sur le stand quand ils ont vu qu'on était à l'Eureka Park. Très fier de notre délégation, 39 startups dans cet espace de l'Eureka Park, 11 awards, 3 awards sur une nouvelle catégorie où il n'y en a que 7 dans le monde liés à l'environnement et un super award pour un d'entre eux, mais c'est juste génial. C'est génial, donc très fier d'avoir poussé depuis des années au développement de l'innovation sur Aix-Marseille-Provence.